confiance et votre fidélité à Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Rendez-vous des auditeurs. Vous allez et Bélé, hein, de partout à travers la capitale Kinshasa, Congo central, Maniema, Ituri, Naba et Nyonso, Messin, Koulanabiso, Mboka Bapaya, États-Unis, France, Canada, à l'aide de YouTube, CCTV, Ralik officiel, le Lotozali, le 4 janvier. Le 4 janvier 2022, une date commémorative, une date qui nous rappelle, bien évidemment, Emet Oyo. Et c'est pas ça qu'a vraiment, na Mboka Nabiso, na 1959, na République démocratique du Congo, na capitale, Rwanda Benga qui vraiment à Léopoldville, après interdiction par les autorités coloniales, marche Senga qui Abako, le membre du parti politique Abako, c'est l'Eko Senga, mais interdisait qui manifestation Nabango et pas autorité coloniale, vraiment, et même qui na révolte populaire, où il dira qui pendant 3 jours, selon les bilans officiels, on parle de 49 morts, c'est là qui Kokwea na Masasi, c'est là Kokwea na Bitumba ou Ebundamaki, mais selon le bilan, tout source, il y a membre, il y a Bako, on parle d'une centaine de morts, c'est là Kotumba, Kokwea, Mokoloana, c'est là qu'il est 4 janvier 1959, Lelo, 62 ans après, 62 ans après, quelle leçon? Quel enseignement Tokokiko tiré justement n'a pas martyr ou bengi martyr de l'indépendance Tokobeta Marcelowana Tokobeta Lissou Masolo na 4e émission Nabino fidèle téléspectateur à Canal Congo Télévision peu auditeur et à Radio Liberté à Kinshasa a tourné Yamokondiambo ka Félix Tshisekedi Tshilombo na espace Grand Kasaï. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Azalaki Mokolo Yalobi lundi 3 janvier na Chikapa kuna Mokondiambo ka a le biais été justifié présence naïve vraiment dans l'espace Grand Kassai et Natchikapa n'a souci aux Ezali qu'on amener tout qu'on pousser n'a qu'on trouver solution n'a différents problèmes auxquels sont confrontés population vraiment il y a population à Kassai notamment souci il y a qu'on tia maï qu'on tia courant qu'au Bongisa, infrastructure, na Grand Kassai, sauf changement des dernières minutes, Mokonziambo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Akozala, na Sankourou, Mokolo, Yalelo, Tokobeta, Masolo, wana, na Bino Kakate, fidèle téléspectateur au Canal Congo Télévision, puis auditeur, il y a Radio Liberté Kinshasa. On a déjà les invités sur ce plateau des Canal Congo Télévision, Tozalina Ndeko. René Bonganga. René Bonganga, Azali, président national, il y a groupe de Bembistes. Les Bembistes, eux, Azali, structure d'appui, il y a mouvement de libération du Congo, MLC. Ndeko René Bonganga, mbote neuf. Mbote ndeko journaliste, mbote pe ndeko to Kabloena et Makanisi, mbote pe naba Congolais basso, ba misani kota la émission Abisso, mbote pe naba technicien. Oh, bazali ko salisa biso pour que toi atteindre ba kusinyo so ezolanda biso ezala na radio tout comme na télévision. Tozali na ndeko maître Jonathan Ngwele o azali moko hein, parmi ba initiateurs il y a mouvement pour l'amour du Congo PAC na mokuse maître Jonathan mbote na lokola. Mbote ndeko mbote la bakongomani banso na kwa ndabiso na mongai na basuku pe esembela na pa. Mbote pe na équipe technique et puis ko débatteur na ngai et c'est ngai motinga motema ko za liboso ya bilobeli ya rendez-vous des auditeurs donc li qui a été na mabanzo pe makanisi auto ko tiawa to ko sunga ikolo ko ngwe ke ndeli boso pamba te uta mibumba ina ndambo eleki bukambia bato mabumu na ba enyonso ba ko koza la constant na politique te et sunga ikolo te. Merci maître Jonathan Ngwele qui est à sa toute première participation à l'émission Rendez-vous des auditeurs fidèles téléspectateurs Canal Congo Télévision beaucoup comme la biso hein beaucoup la biso na lo casa to SMS ordinaire na 081 230 50 29 Bokoma message d'abino oyoko tangama pe ekozala vraiment exposé invité
Nabiso barui ko pesa makanisa bango na ba suggestion na bino to ba préoccupation na bino makanisa na bino na émission ya mokolo ya lelo avec les thématiques vraiment précises ou déjà boza déjà mise au parfum to fongoli dela nabiso nande ko René Bonganga dès 4 janvier 1959 lelo 62 ans. Lelo, 62 ans après, émettre vraiment pour interdiction à l'autorité coloniale, la marche vraiment na baie politique, il y a Bako. Makanisa to lecture de fait dans l'ONU et Zalini. Merci beaucoup. Bon, on a évité ce qui coutume échanger parce qu'ils ont qu'à moi 2 minutes pour la. C'est particulier. Et au cours de 1 minute. Voilà. juste, je pense que c'est ma toute première émission à l'année 2022. Là, on a dit qu'on souhaitait quand même un meilleur vœu na Batou. Au Bazar pour l'Andabiso, et spécialement la structure Nangaï, les bimbis les allés implantés partout. Coordination à Villa Kinshasa, coordination à Villa Goma, Beni, Boutembo. Matadi, Boma, et puis naba côté Moussousou, nabo sani pété, me veut le meilleur, naba bembi seigneur so bazali à l'extérieur du pays, je vois Canada, Londres, France, Suisse, je pense que nabo sani bangote, na tombe li bango banso, moubou molam. Mais pour la moutouna na yo, je pense que date à l'élo, zali ko tala depuis. Bah, massacre on est salima qui tise jusqu'à l'élo, tout analyser, tout est bas. Est-ce qu'il y a eu évolution sur le plan démocratique et tout ça ou pas? Bon, jusque-là, on a vu que Batouana, Bakoufaki, pour que tout soit d'abord indépendance. Parce que bruit, pour que tout comme on a indépendance, c'est Banda Kiwana. Je pense que les Alaki, dans le match à Mikado, dans le Kolobawana, dans le MK, au meeting à Bako, les Alaki, et puis il y a Kiko. Mais c'est dégénéré, oui, comment qui tient à niveau ana, bah politicien, bah bimaki, bah lumbumba et tout ça, bah on a eu comme ça bah processus pour la coloca indépendance. D'abord, ils allaient que bah non qu'on bâtit kabiso, on a eu connu que kabiso mingi, mais bateau, rad bolwana, oui, bandaki des aba, bah murmure, ne pas y bateau, ils allaient que et ça les malheureusement bah tu vas couper qui est belé. Oh, tous allez qu'on regrettait parce que vous avez une répression vraiment violente, répression violente, la manifestation, on a oupé, botaki que kandaya, batwa le bateau, soi que si la mais ça c'est toujours indépendance nabiso. Alors allez que tout nabiso les lots. Est-ce que baliwa ya batwa na est tombé bisonine? Est-ce que tous allez réellement indépendance ou indépendant ou quoi? Donc si ça n'a pas que le bateau, bon bilan est allé peu mitigé, ce qui est vrai. Tous allez gérer mon cabiso monco à ce moment parce que bon, la lande à cabane de comme sous-sous, nous sommes dans une occupation et tout ça. Bon, à bon, mais sur le plan juridique, mon cabiso soki batouni qui est président de la république, c'est monsieur Félix Tshisekedi, c'est un congolais, il n'est pas étranger. Surtout qu'il n'a pas institution à bisonion, c'est à l'ibiso monco donc bah non, pas à y sous-souter effectivement indépendance au yo to sengaka to zoyango. Mais le problème est que oui, bisomoko ba congolais tous ali ko diriger boka na biso banda indépendance tisiko ba avancer significative les alinin. Donc là to ko zo attend to ko banda ko décortiquer parce que tout moni pe suki ka bongote na résumé à Mobutu, il y a eu répression aussi na résumé à Kabila pendant 18 ans répression pe ezala qui même na résumé na biso mo ba dérapage nous sous ezali dit na ko respecter d'abord expression démocratique. Donc honnêtement tout ça la makasi que tout kanisa liwa ya batwana ezala na role moko munene et rappeler biso tout le temps que non tous à la libre pour ya ko penser sur notre pays, tous à la libre pour na commis s'exprimer pour notre pays. Donc par rapport à ça, je pense que moi bah avancer ezali parce que tous ali biso moko tous ali avancer ezali mais bilenza voilà. Mitigé par rapport voilà. Au rappel voilà. Il y a combat au baminaki voilà. Ou pas il y a baimbuka ouais. Donc, déclencher l'indépendance en 1960. Tu as eu Jonathan Ngwili. Tu as eu une action où ils avaient mené manifestation après interdiction. Il y a l'autorité coloniale na manifestation. Il y a Abako. Ils allaient signer le déclenché directement. Il y a indépendance. Il y a beaucoup d'abus au Congo. Après Marchouana, une année et demie.
Donc, côté qui vraiment la souveraineté nationale et internationale, laissons ton enseignement à tirer na ba martyr et l'indépendance. Merci Ndeko Maxime. Tout en amboule à Sika, faut qu'on dénonce Makambo Batebele Babeti Kara et les Kinamboula et Tukoleka et Liboso Naza qu'on dénonce comportement ya Madame la Présidente ya Tanzanie. Parce que pour nos occasions, il y a une festivité. La Tanzanie a l'habitude de communier avec le peuple. Le message est passé en Swahili. Beaucoup ne l'ont pas déchiffré. Mais c'est un message fort et interpellateur. Dans le message, on a lobby, Mboka Nanga a un problème, il y a un moyen. Donc, on dit que Mboka Nanga et Tanzanie ont un problème, il y a un moyen. Mais il sait qu'au Congo, c'est un pays ouvert. Où tout le monde, ce sont les mots de la présidente, tout le monde entre comme il veut et il en ressort comme il veut. Nasuka Lobi, nous allons nous aussi aller là-bas. Sur pied, il y a des principes, ils ont encadré le pays au niveau de l'Union africaine, même au niveau de l'Union européenne. Nous avons là une déclaration de menace contre notre sécurité. Mais tous les ambassadeurs de la Nations Unies, tous les ambassadeurs de la ministre des Affaires étrangères, il n'a pas fait attention à ça. Et même qu'on annonçait tout qu'on déclarait au niveau de l'ONU. Comme ça, met l'occasion. Il y a la festivité, bien sûr. Qu'on dénonçait au niveau des Nations Unies pour toutes les mesures de sécurité. Il ne faut pas oublier que, au niveau africain, la Tanzanie a une armée très forte et structurée. Au niveau africain, Azana, parmi les 5 premiers pays, a possédant une armée forte et structurée. Donc, c'est un message à prendre très au sérieux. Il y a mis balais un message à président ougandais. Qui lui aussi, en communiant avec son peuple, a bengisa ki ba ministre na ye, na ba haut dignitaire ya mboka na ye. Il redit ce qu'il a déjà dit. Pour les ADF, je suis prêt à les traquer partout, même si je dois entrer chez quelqu'un sans autorisation. C'est le monitoring. Hein? Ça veut dire que nous sommes presque à la viseur de ces États-là. Et nous devons nous prendre conscience de la menace qui nous guette. Pour s'affirmer et éventuellement être prêt. Parce que un chef d'État ne parle pas sans qu'en interne, on rumine quelque chose. Naya Siko me renvoie les 4 janvier. Les 4 janvier, moi, me rappelle principalement beaucoup de choses. Nazo s'est rappelé dans l'enseignant Nangaï, il y a l'université, professeur Moutou Zaka Bepé à son âme, qui, lors de l'enseignement, il y a cours, il y a psychologie, je crois, judiciaire, à Salagi, moi, petite historique, il y a une histoire le 4 janvier, et c'est là que j'ai appris. En fait, le 4 janvier, l'Abaco a appelé à manifester ou a appelé à un meeting pour nous rendre compte. Quand il y a une conférence où on va participer à qui, comme étant un des pays de l'Union africaine, au thème de l'indépendance de l'Afrique et l'avènement d'un leadership panafricain à Accra. Donc, tant que nous les partis qui était déjà viable en ces moments-là en Afrique, ils ont discuté de comment prendre les choses à main. Parce que tant que Bazongi Balobité et Tozonga, tout ça la restitution na base, ça veut dire la population na Bissau. Tu veux savoir qu'est-ce que les pays africains pensent pour que Bissau peut tout côté là. Ouais. En réalité, ce n'était pas une menace ou ce n'était pas une course vers l'indépendance. Mais na habitude au les dirigeants africains belé ba hérité puis bazo continuer nango. Il y a quelque chose qui mutalobi na bengisi batu. O ka si bamba ke ko finga yo. Na bengisi batu ka si bamba ke ko comploter contre pouvoir na yo. Les colons ont refusé. Et immédiatement la Bako s'est dit dans ces cas, je comprends que la restitution que nous voulons faire et puis déplacement la biso na Accra n'achante pas le pouvoir colonial. Voilà pourquoi il a demandé à ses militants. À l'époque, déclaration mon radio à l'obi, nous avons tout à récupérer le leadership de notre pays. Et ça discours où on a des peuples à s'approprier qui n'a rien. Mais comme toujours, les colons ont étouffé jusqu'à céder finalement plus d'une année et demie après. Donc les peuples, il faut comprendre que tous les sous une attente, même c'est soit non, allons-y à une conférence pour toutes les informations à leadership. Parce que les lots, ben, si on a pas le but, non, notre leader, Barbara, en occupation, mais l'autre, on a le leader à mon amour. Non, l'occupation n'égale pas avoir une gouvernance d'un fils. Mais il y a un changement, 70 ans après, ben, l'interdiction
Oui, c'est tourné qui vraiment en vinaigre, il y a une répression violente, il y a un policier au contact qui vraiment à mort et belé, perte en vie humaine et belé. Mais aujourd'hui, en termes, malgré de Corénébo, un bilan mitigé, mais il y a quand même des avancées significatives. Est-ce que vous allez vous inscrire dans la logique ou il y a des avancées significatives 62 ans après justement la martyre et l'indépendance? Aussi longtemps que nous aurons des gouvernants impréparés, nous aurons des gouvernants ventriotes, il n'y aura pas des avancées. Je m'explique. L'occupation dans Zonganan est caractérisée par le fait que nous sommes à ce jour incapables. Oui, oui. Nous sommes à ce jour incapables de nous affirmer tant en interne qu'en international. Le discours à Madame la présidente de Tanzanie, le 8e jour, qui est ce responsable congolais qui a porté haut la voix pour dénoncer ça? Ça veut dire que déjà du point de vue international, on ne s'affirme pas. On est là plutôt à donner des autorisations à des individus pour se retrouver 300, 400 quelque part et fêter alors que nous là, nous subissons une décision du Conseil des ministres, mais qu'un gouverneur abroge. Vous comprenez ça un peu? Donc les Lopon Abisso, si on doit penser au 4 janvier 1959, on doit se dire est-ce que nous avons assez fait pour nous affirmer tant en interne qu'en international? Merci Maître Zorobabel Moulang, 62 ans. Après martyr indépendance, enseignement n'intoïque tiré na makamunyon ceci là koleka. Est-ce qu'il y a des avancées significatives? Est-ce que pérennisation il y a litswana ou bamena qui na na 1959 et zaka kana na chef y a ba congolais tout vous allez comment nango n'importe quoi. Neko na remercie yo, na remercie ba congolais nosso na lingi. Na pesa nanu mbote mingi na patriarche Bruno Bokassa. Patriarche Bruno Bokassa en 58 l'heure Lumumba Zongi azalaki ko prêcher sorti à peuple africain na kat esclavagisme justement occidental mais focalisé sur la Bible. Na exode ya bana ya Israël na Égypte également. Alors mutu moko ebise me makambo zota ya oyo yango ana toti koyoka mutu moko bazubenge Patrice Lumumba zotea alobia oti na makambo anaka. Et effectivement le patriarche est allé vers Lumumba. Le patriarche, pourquoi? Parce que l'élo, même si la République ignore même ceux qui ont arraché l'indépendance et fait cadeau, comme mon jeune frère venait de le dire, à ceux qui n'ont même pas lutté, par moment, à ceux qui ont contribué à la destruction du pays, mais le patriarche était le seul et l'unique suppléant de Lumumba avant que Lumumba sorte de la prison de Bolo, je crois, à Lubumbashi. Et Yende, ma belge Batindaka, sur ordre de Lumumba, a fallu na quitter Lumumba jusqu'à ce que Lumumba est descendu à Bruxelles. C'est pourquoi nous avons besoin que ça de Panaye, et il est encore vivant. Il est aux États-Unis, 95 ans, je le salue. Mon cher ami, Naza Kozonga na likambuya que l'élan de l'indépendance était effectivement réel. Était réel. Mais nous avons été trompés. Trompés par qui? Trompés par nos frères belges et amis. Trompés de quelle manière, hein, Rouba? Trompés. Trompés de quelle manière? Oui, justement. Oui, justement, j'y arrive. Quand Lumumba arrache l'indépendance, il faut la rappeler la salle de l'eau, le peuple Baeba, parce que l'histoire est tronquée. Na salle, il y avait un certain Yumbi Joseph, parmi les pionniers de l'indépendance. Il y a ceux qui kaka, seyant ces bandits, à Télémi. Toko siège était Lumumba et Lumumba ti, ba belge, ba yakakupo. Et le patriarche Bruno Bokassa, Lumumba prison. Bokassa relégué au village. Ne boyebaka kozwa dynamique ya MLC à l'époque. Oyazaki relégué dans le village, bakene na Bruxelles,
azela ndeko na yazukoya wazaki na prison banzela alandi akomile akominde ebandi mais l'ère ebandi y a eu un problème. Il devait y avoir trois tables rondes. La table ronde politique, la table ronde économique et la table ronde spirituelle. Parce que bobo sonate bana ya Nzambe bana ya Congo. Pour ba coloniser biso, monde la tindakande ba évangéliste. Ba ya kokosa biso. Et donc pour le développement na biso, sorti na biso na ensauvagement. Ensauvagement est allé causer la moumbu. Pour na kobime fallait pe ko sala lavage de cerveau ya banseignement nyo sur le koto mondele ya kinango pona komate biso et que peuple a zwa et la mususu. Et na table ronde na misato. L'air tozu le panda to sengela ke kozela les deux autres économique et spirituel. Oui, salamate. Oui, salamate. Oui, salamate. Mais de quoi Zorobabel Zora ce que moi tout na ngai. Hein, parce que tout le monde sait un rappel historique. Hein, nous, le bio, parfois, l'histoire est tronquée. Yo, personnellement, enseignement nini, vous allez tirer 70 ans après, il y a martyr de l'indépendance. Kasi, Neli Kambo, est-ce qu'au Katelingaï, je ne fais que continuer parce que j'arrive là. C'est-à-dire, l'ère tozu pouvoir, le temps de s'organiser, c'est moi la Kanzaki Mingi. Les Belges ont monté ce que nous appelons les commissaires généraux, la coterie des agents de la CIA américaine, fraîchement recrutés, pour ne pas détruire la même, entre guillemets, indépendance. C'est-à-dire, on nous a donné l'indépendance dans la main gauche, à la main droite. C'est ce qui s'est passé exactement. Et quand les néocolonistes ont pris le pouvoir, et le quoi, les bosseurs là qui faire ce qu'ils ont fait jusqu'à ce que le comité en 1990, le comité réclamait démocratie. De responsabilité, les bosseurs allaient dans le néocolonialiste. Le néocolonialiste. C'est-à-dire, la classe, il y a un peu de préférer servir l'intérêt à Mindele au lieu de servir les intérêts des nationaux. Merci, Nako Zunganon, de Zorobabel Moulang. Ndeko René Bonganga, bayimbo kamsusu bazali komi loba. Courage, tout détermination, il y a bayimbo ka pour changer la donne, pour changer les choses. Oui, salama ki vraiment na des absents 59. Est-ce que aujourd'hui Litswana Litoba y martyr et indépendance ba menaki. Est-ce que ils ont pérennisé ou bien des reptiles et salami? Est-ce que les Congolais sont comment amorphes ou comment? Merci, mais je suis là pour rétablir l'histoire. Pour ne pas dire que la réunion a une motivation, ils ont purement politique, pour l'indépendance, mais bon, bon, bon. Je pense que l'histoire est renseignée que juste après l'indépendance à Ghana, en 1957, réunion wana ya panafricaine ezala ki convoqué na Kwame Nkrumah à l'époque. Ezala ka déjà vague ya ko réclamer ba indépendance e bandaki. Et ba kolo à cette époque tango ba yebaye ke c'est Kwame Nkrumah oyo a convoqué ba congolais kuna c'est dia pesa bango idéologie awa esale manenge esale makana Ghana. Osomon yango na tango ba yaki a empêcha ki ke ba sangana te ba loba parce que ba ko ekilke na mitu abato. Déjà, il y a un message de l'autorité coloniale. Il y a un convoqué réunion, c'est dit africain, balingi, bazwa destin à Bango na Maboko. C'était juste après l'indépendance du Ghana en 1957. Et de Bango Peshaki. Au ce monde, et là, et comme on a dit. Alors, le vrai problème, c'est que tout na biso, est-ce que Makila bande qu'on a biso na bakufa ki, les lots, ils en ont place. Alors, là, il y a des mitigés. Parce que l'indépendance, c'est une phase belle sur le plan politique, économie, sécurité et tout ça. Découpé à l'obaki, il y a occupation, bon, a défini, bon, selon la loi congolaise,
Occupation illégale, les alliés qui est. C'est une référence, hein, là, bah, différents discours prononcés voilà. Par le président africain. Oh, bah, allez, comment on a comme si c'est pas s'accaparer dans mon cannabis. Voilà. Donc. Comme si l'idéalisme, vraiment, les alliés. Je pense que. Réaction, les alliés. Dans mon message, il y a pour expliquer occupation illégale, selon la loi congolaise, les alliés, bah, tout, bah, yé, n'a dingue, n'a bango, ça, que tout, n'a bino, bah, occuper terre, n'a bino, bah, occuper, pour que si on a beau cannabis, ça, que tout, n'a pas de vie, n'a bino. Donc, oh, bah, ben, yango, occupation illégal. Est-ce que na côté sur tous les angos, ils allaient bongo ou pas? Je peux pas répondre na ba discours à l'obéir. On a pas un cas personnellement na l'obéir angoté. Na yo qui angoté na linga kana yo qui a peine à analyser ba makamusus. Mais sur l'obito revenu, je pense que c'est pose un problème. Na indépendance toujours parce que net biso Congo économiquement toujours dépendre na biso mon côté. Zomo na ba débat et cela qui makasia wa. Toujours c'est la bilo quoi kulia, ils ont talibanda et tout ça et ça pose un problème. Donc l'indépendance économique pose problème jusque là et ce n'est pas bon. Donc konzi bazo ba responsabilité na bango de façon que ba honorer makila bande kona biso wana politiquement aussi et ça la te que non pose à pouvoir faut que na mboka boye 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 au mieux c'est rassurer d'abord que si kanazali ba congolais ba pesinga e pouvoir na exercice ninge zali c'est dit ba influence o e uta kalibanda e banda ko pour mander biso tout ça ce n'est pas bon. Merci beaucoup voilà. Ndeko René, Ndeko Jonathan, comment Tokoki honorer Makila, il y a pas martyr, il y a indépendance. Au place Bazali ma balobi était vraiment bituma auto salaki. Tomoni était bayimbo kao batika laki vraiment balandi ndila wana. Merci Ndeko Maxime. Nazonga bon moké. Pour nous avoir mis au point Mouké et puis nous démontrer que réellement nous sommes dans la thèse de l'occupation, contrairement à l'occupation dont on a fait allusion ici. Et ça, certes, vrai, on a une casquette, nous sommes un simple analyste, mais occupation illégale et ça, infraction. Mais quand on parle de l'occupation d'un État, c'est ce qui est même défini dans la charte de l'unité africaine qui parle d'un pays qui prend le pouvoir sur un autre. Ce qui est Kimingate, je crois, à partir des 18, l'article 18, tu kokende. Sur fait ça, et les États africains sont pays tous pays au-dessus sur un autre voilà, pays. Voilà. Et c'est ce qui fait que même l'Union africaine a eu à prendre, je crois, en 99, une résolution qui permettait ou qui interdisait l'occupation d'un État par un autre. Et ça faisait même objet de l'exclusion de la conférence des chefs d'État. Et bah, précisez ce qui manga par rapport à la date. Yemi Balé. Nos ressources à nous, 61 ans après, est-ce que nous sommes à mesure, nous, de les utiliser pour notre bien? Les lois, il y a 5 millions de dollars seulement à exploiter et à transformer minerai en abisso. Pourtant, mois d'octobre, caca, institution présidente de la République utilisait 270 millions de dollars en dépassement budgétaire. Donc, on construit 250 millions de dollars, au moins 7 usines par province. Pour qu'on transforme les minerais. Et le Mali, je suis allé. Les lots Congo, ils ont le seul pays où ils ont offrir bien-être à peuple. Ce qui fait que dans la catégorisation du monde, le Congo est la 4e pays, la 4e république qui exporte en grand nombre sa population vers l'extérieur du pays. Exporte. Donc, la population s'est retrouvée. Alors, lui, bien en raison qu'il dépôt, on a comme un postier. Parce que au Congo, on ne se retrouve pas. 61 ans après, les colons nous ont 62, nous ont tout légué. Infrastructure, signature. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ce que nous avons réussi de? Il y a moins les lotes, il y a bien les apôtres aussi. Il faut d'abord te cerner le pourquoi. Ouais, comment on aurait. Voilà. Les pourquoi nos pères ont été d'abord à Accra. Qu'est-ce qu'ils ont appris là? Et qu'est-ce qui nous ont légué de cette conférence? Parce que la conférence, on a finalité dans l'avènement du nouveau leadership panafricain. Dans le panafricanisme, on voit les vouloir travailler pour l'intérêt de sa patrie, de l'Afrique. Et aujourd'hui, qui est ce président? Là, on est Ali. Qui est ce président congolais qui a travaillé pour l'intérêt de Congolais? Ou qui est ce dirigeant congolais qui travaille pour l'intérêt de Congolais? Tous à l'unanimité sont des jouisseurs. Donc, Banda, le président, le Bosso, il y a mis Balé, Tilo, tout ça, c'est ce qu'il dit. Donc, vous avez travaillé pour la commune. Exemple, Mouki. C'est pour Azalité. Azalité. Merci beaucoup. 270 millions de dollars. Mon père, si toi, à ton usine, à 5 millions de dollars exploités. Merci beaucoup. C'est inimaginable. Maître Cédric Kabea, 70 ans après,
les sonini tout enseignement nini tiré martyr de l'indépendance et puis comment honorer makila ya bayo bawa pona mboka bayo bawa pona indépendance pour tout côté l'indépendance de 1960. Vraiment mbote mingi, merci beaucoup de Maxime. En fait ce qui tolingi to to ça l'analyse est simple. Ce qui m'ontou a koufaki pour que yo soit liberté et sengeli que au comprendre pour nani yo il fallait la libre. Et c'est ce que le Congolais n'a pas encore compris. 62 ans après, aujourd'hui, il n'y a pas le patriotisme na conscience ya Congolais. Il n'y a pas le patriotisme parce que ceux qui ont taliba tout nion sont oyo, parce que les là on parle de la classe politique, mais toute cette classe politique, que ce soit les opposants, que ce soit qui bato nion sozomona, est-ce qu'on a réellement ce patriotisme là, l'amour du pays, l'amour de son prochain? En fait c'est ce qui manque. La majeure partie de Congolais, en fait, la liberté ou l'indépendance qu'on a eue, c'était pour que lui devienne ministre. C'était pour que lui devienne... En fait, au moins, il n'y a pas qui que tu as envie de Mindele. Ah, Mindele, tu as envie de Mindele. Tu as indépendance pour que tu as envie de Mindele. Tu as envie de Mindele. On doit revoir. Et ce n'est pas seulement le problème du Congo, c'est l'Afrique. Dans l'optique, il y a des gens qui ont indépendance et qui ont bon. Il n'y avait pas objectif, il y a que ça, c'est la patrie. Parce que regardez la première des choses. Namitoua Batozala Kinin, Tobenga Naba, ça s'est dit, hein, Naba militaire, quand ils ont fait, moi, mitinerie à Liboso, Anna. Tobenga Naba, moi, comme il y a banani, ba colonel. En fait, c'est ça qui était dans la tête de Jean. Le travail pour le bien-être de son prochain, il n'y en avait pas. Et vous verrez, quand il est arrivé l'ikamwazaïrianisation, les gens ont pris ces biens-là pour que ça devienne leur bien propre. Or, on pouvait bien, comme on avait zaïrianisé, que les gens travaillent pour faire croître et qu'ils bénéficient de Bamoussoussou. Non. C'est devenu des biens familiaux. Il y a un sérieux problème. Nous devrions faire l'introspection. Bisso, moutou na moutou. Parce que le loto kolo, regarde les gens aujourd'hui, on peut lui donner 10 000 francs kaka. Kabole la ba moussousou. Mon frère, 10 000 francs wana. Et bon, ta problème. Non, partage équitable les actes. Je vous dis, c'est dans le sang du Congolais. Nous les vivons chaque jour. Comment maintenant qu'on aurait. Comment changer la donne, comment changer ma canisure Rosala, patriotité, patriotisme et longue, comment changer la donne? La meilleure façon d'honorer ce genre-là, c'est de pouvoir donner notre cœur au pays. Cela veut dire que travailler pour le bien-être du pays à tout poste que ce soit. Et si Kanyo Sobatie yo. Et c'est ce qui est là que et là qu'on y a un sol dans le secteur intérêt à Mboka et c'est ce qui est le cas intérêt nanga. C'est ça la meilleure façon d'honorer nos martyrs. Ce n'est même pas de faire des commémorations, que ça là bas emblème et tout ça. Est-ce possible? C'est bien. Est-ce possible dans mon colo comment que yom to bon samboko tu poses un acte y a malamu. Opposer action moro ya malamu pona en faveur à la population ba bisu ke non yom to bon samboko. Est-ce que c'est facile d'arriver là? C'est comme cela que moi j'ai toujours dit, la meilleure façon de discipliner le Congolais, c'est la sanction. Si nous sommes au plus profond du gouffre lelo, et ça parce que langage wana ce qui moutolobi yom to bonisa congolais ou bonisa congolais, il est sanctionné par rapport à ce langage là na acte à poser. Je vous dis, il réfléchira deux fois demain avant à Salango Lissousse. C'est parce qu'on continue dans l'impunité. Merci beaucoup, Ndeko Cédric et Ndeko Zorobabel. Comment honorer la martyrie indépendance de Bissou? Ndeko Nangaï, na sepena na langage ya Bandeko Nangaï au Mibale. Na kanisi, bazali ko touché du doigt le mal,
Mais Bazali, comment n'est-ce qu'il y a une solution? Mais comment? Non, c'est ce que justement je vais dire. Ndekwalobi le Kambia, tout ça l'introspection. Je lui donne raison. Et tout ça l'introspection, je pense personnellement que Ndeloko Oyo to Sengaki depuis longtemps. Nous devons nous arrêter un moment. Et on pensait qu'avec l'actuel président, il pouvait comprendre, quitter la démagogie, voir la vérité en face. Quitter la démagogie. Le monde de la démagogie. C'est-à-dire que, non, parce que la politique en RDC, pour Nabango, il n'y a pas de moralité dedans. Non, je voudrais recadrer Banabaye Bakke. Le mensonge est interdit formellement. Et un mensonge, même n'importe qui va diaspora, ce n'est pas permis. Il y a un art d'habit dans la politique. Non, c'est comme ça que nous venons. Nous venons avec un autre système, la rationalité politique. Et donc je voulais dire que la solution serait qu'à un certain moment on s'arrête dans une transition politique, on revoit d'abord les textes de base. Constitution Oyo, vous pouvez vous imaginer 62 ans plus tard, hein, c'est un petit Belge qui écrit, qui nous impose et nous acceptons. Au nom de quoi? C'est ce qu'il dit, l'occupation. La Tanzanie Otrotanga, c'est une de république indépendante sur le plan politique. Vous savez pourquoi? Depuis la conférence de Banjul, Batanga Sarabana Nokwane Abaminde l'été. Ma discours na bango ba le bakamon no komunde l'été. L'anglais, le français, d'aller pour d'abord, ba esclave. Et nous sommes encore esclaves jusqu'aujourd'hui. Et donc, Bussolaire, président de Tshisekedi Azui, comme Azali, membre et tribu de Juda, nous nous sommes dit peut-être qu'il viendra avec la donne Yanzambe, te proposer à instaurer la CIA, il y a gouvernement, l'Abissot, ministère des Affaires religieuses. Ministère Oyo, éveillé sur la moralité publique. Vous savez que Bounaming, hein, depuis, par rapport au ministère, il y a Affaires religieuses. Bien entendu. Mais le problème, c'est Mokolo Nzamba qui a décidé, ça va s'accomplir. Alors, comment on aurait la Kanisi Ndenge de Kolango Toloba ba martyr y a indépendance ezali école munene oyo chacun de congolais au départ et surtout ceux qui ont le pouvoir doivent capitaliser. Nazo peso exemple, capitaliser en faisant quoi pour directement dans la sujet justement en faisant quoi to senga ki nandeko tu sais que quand tu le prends le pouvoir que c'est le train de vie à bas officiel et quitta. Nous souffrons beaucoup, nous, les petits peuples. Au contraire, il est passé, Nandambo Joseph Atikaki, Bamati, même la présidence. Donc, tous ceux qui sont conseillers aujourd'hui, ils ont des maisons, et ici, et en Europe. Je vais dire que, à un certain moment, nous ne devons pas être des patriotes, comme disait mon jeune frère. Merci beaucoup, Ndeko Zorobabel. Le pouvoir pour le peuple et non pas le pouvoir pour soi-même. Merci beaucoup. Tu continues un dernier virage. Baïmboka, Mugokuma, message Nabino, dans 0-81-230-50-29. 0-81-230-50-29. Mugokuma, message Nabino. Tout au long de cette émission, beaucoup bipé dans le groupe WhatsApp, rendez-vous des auditeurs. On est au dernier virage de cette émission, rendez-vous des auditeurs. Tournée, il y a mon Kondiamboka, Tuzui, Ndeko, René Bonganga, Félix Tshisekedi, Azalaki Mokolo, il y a Lubi Lendi, Nachikapa, Azalaki pour poursuivre, tournée dans la Grand Kassai, mais Mokolo, il y a Lelo, sauf changement des dernières minutes, à cause de la Sankourou. Après. C'est là que on a été à l'aéroport il y a Sankourou, avion Kiti, Badali Koumébatouna Poussou, Badali Koumébatouna Mkongo, Toboli ministre, Mokondiamboka, Badali Koumébatouna ministre, ça s'est précipité, Mbaou. A Koumébatouna Sankourou, non, il faut que Bongi ça, il faut que ça la boue. Ma politicien, Nabiso, Babi Badali Koumébatouna Mokondiamboka, il y a pour la basse à Makambo. Mokondiamboka, à l'objet, tes soucis à justifier, tourner Naeto, arriver Naeto, Chikapa par ses soucis.
y a kota maï kota courant infrastructure et kota na kati y a bah différentes entités territoriales nabiso c'est là et ça possible ou bien nous allons de promesse en promesse. Merci beaucoup. Je pense que tous à Colanda de près périple ou mokonzi amboka ali ko sala na espace Kasai na kolobali boso que ayamba mi bien bato ba zali ko pe sa confiance toujours na chef de l'État parce que to moni bisika o nyonso aleki bato belé bazali ko yambaye c'est-à-dire balingie. Mais même population wana ba sepeli na mokonzi mboka ko kende atala makambo nyonso ezali ko leka kuna mais bazali ko zela mingi epai na ye na ba etandoki mususu na lobaki que ezalaki nécessaire mokonzi mboka sala déplacement. Je pense que biso nyonso to moni na auto bandai koyoka toyokaki koto basali boye koto basali boye tout sans okande na makambo nyonso wana ba bandai kokosa. On a vu beaucoup de conseillers, babande ko sala ba va et vient kuna ba tende tozo mona ba image ba zo pesa ba éloge na ba société mosusu mais tant au kunzamboka ke wa c'est le contraire donc a jouer rôle moko bien oh ils allaient que soko zali leader il faut ça la pe suivi na makamonyo so bande ko sala mais je pense que Costa est scandalé na o nyonso mo kunzamboka kanisaki. Je pense que na bisika mususi moko alobi que ba o nyonso bazali impliqué na makambo na nyonso il faut ba répondre devant la justice parce que zali sérieuxité bonjour tambuka na mboka moko ki a kangami pendant des heures et des heures ba projet bébé oyo misolo mboka contribuable congolais bimaki et kindeki et sale loko moko te ki na ba poche ya bato ba société mususu neti ya ba snel ya ba régie des eaux. Et si la cale, mais bah la semaine d'ango c'est la canine. Il a rappelé ça même dans le discours naïa le Bakiango. Tout le monde a dit mais bah baraze à Katende. Alors on relance tout ça tout le monde. Nathalie na émission moko na butu, bah tu es commis verrouillé tout ça bon. Bah bande kolobi la biso wa pourquoi? En tout cas ngai na sepene moko nzamboka a keikuna a souka pe kuna te po ba même problème wa kutena ngokuna ezapena ba province mususu parce que le même conseiller le même ministre au bakenda kuna pe bakenda wa kutena mususu est-ce que promesse andi ko trouver solution immédiate ou bien te faut zela sous ba année la ba année pas nécessairement ba promesse mais a kende ki pe voyage moko to considérer ngo ezala ki voyage ya inspection na ba rapport wa bandai koyoka est-ce que sur le terrain réellement ezala ki ndengo wana mais constat ezali scandale ndenge na lobaki na ebandeli. Je pense que chef de l'État au fin il faut taper fort. Donc je peux aller trop loin parce qu'on ne peut pas rester tout simplement à critiquer, il faut proposer. Je propose quand même que remaniement, ils allaient qu'on s'imposer. Et nettoyage même la cabinet de mon chef de l'État. Donc gouvernement de Warrior, remanier ça la main. Bah, démontrer bah, les limites. Changer d'appellation. Ouais, bon, changer d'appellation. Oui, bah Congolais, bah Zozela, ils allaient que vie sociale et bonga. Banzela soki mbonge bimé sala musala et sala musala na yango et sala te bayaka ko kosayé tout ça pour ma mona ki neti ke azala ti mutu moko déplacer te tout bon amour. Je pense que toro ba makamba mboka saga mukunza mboka a tiré conclusion rapidement remaniement ezali commissaire imposé et a nettoyer peu cabinet na yona parce que ba kosi mingi. Merci beaucoup Ndeko Jonathan Ngwili lecture na tournée ya mukunza mboka. Merci Ndeko Maxime, nous allons trop attaché à un mot tel que civisme, patriotisme, parce que nous avons un mot et si c'est un engouement, une envie à résistance dans la Katinangaï. Et nous allons remercier Ndeko Patrick. Hein? Maître Cédric. Cédric pour nous dire qu'il y a un mot. Mais le patriotisme, qui du reste est un attachement sentimental à sa patrie, et qui se manifeste par la volonté de les défendre et de le promouvoir. Mais cela n'est possible que si en contrepartie on est rassuré de ce qu'il offre sa patrie. Il y a un auteur français qui disait on ne naît pas patriote, on le devient. Voilà pourquoi ceux qui m'ont la beau timing à l'étage, c'est d'abord l'Amérique. Et il pose la question, l'Amérique m'offre quoi? Tu étudies par quoi? Tu vois pas les infrastructures qu'il y a. Donc, tant que je suis dans le monde, développement et matériel. Et je pense que nous allons tous être réellement patriotes si nous sommes rassurés de ce que notre pays nous offre. Parce que les lots, dans l'armée, tu as gratuitement.
de comment par recrutement les deux sont recrutement pour nous t'as vu on a les qui est armé c'est difficile et ceux qui causent à l'échelle de 100% à 10%. Est-ce qu'aujourd'hui on recrute dans son pays en fonction de ses profils et de ses compétences? On prend plutôt des gangsters qui se battent à ciel ouvert. On prend plutôt des champions qu'on met au Parlement là-bas pour voir comment il gère biceps, comment il gère les couloirs. C'est fait ça la réalité. Déjà, les profils, la méritocratie n'est pas prônée et ça enfreint l'élan du patriotisme. Mon frère Cédric, je pense qu'on va faire ce travail ensemble pour amener les Congolais que nous sommes à intérioriser ça et à aimer le pays en dépit du fait qu'elle ne nous offre rien. Deuxièmement, il a tourné à Ndeko Antoine. On a tourné, on a d'abord eu sa vision. Pourquoi Chilejelo Ezaki lancé par l'ancien ministre de l'infrastructure Ngopos échoué dans Kassai. Parce qu'il a commencé à tout le bango dans les terres jaunes, mais ça des katana. Et pourtant, il a un conseil aux infrastructures qui a fait plus de 2 voyages au Kassai. Là, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'attendais sa peuple à Kassai. Pourquoi en 2 ans et demi de sa gouvernance, il n'a pas été en même de mettre une politique qui pouvait faciliter le long de développement des provinces? La caisse de péréquation, et ça l'a raté-t-il? Les rétrocessions dues aux provinces, c'est ça la ratée. Je prends un cas, la province du Nord Ubangi. Namoua, province est immobilisée, $15,000 seulement. Ouais, province du Nord Ubangi. 15 000 $. Alors on a plus de 16 députés provinciaux. Alors on a plus de 9 ministres. Et puis un allocataire. Et ta machine. Cette province, ça va évoluer. Les rétrocessions, Zali, hein. Et comme depuis plus de 6 mois maintenant, nos provinces n'ont pas reçu de rétrocession. Depuis plus de 6 mois. Et quelqu'un qui est fier de dire je suis chef. Et il vient, il reconnaît aussi, il dit nous allons nous battre maintenant. Et il tient même une conférence de gouverneurs. Bon, qui du reste, c'est une instance constitutionnellement garantie. Et il promet là cette fois-là. Non, mais ça nous bon. Monsieur, vous avez été là pendant plus de 2 ans et demi. Vous n'avez pas donné et c'est maintenant que vous avez donné. Par quel miracle? Parce qu'au troisième mois, j'ai été ahuri, il y a comme on a pour une première fois, dans l'histoire, il y a Afrique, dans le monde, un président en exercice qui fait une tournée officielle financée par les trésors publics, aller demander les suffrages. Vous imaginez ça? Avec ceux qui vont voter Ngaï, donc il va battre campagne avec l'argent du contribuable. Et personne de tous nos 3 procureurs généraux regarde. La campagne électorale, c'est palper du doigt la réalité. Il y a différentes provinces. C'est pas une campagne électorale. L'électorat de 2018, non, nous avons mandé en côté. Proposition est assez simple, ça dit 2 ans et demi dans le tiroir et en mosso. Donc ça veut dire que ça s'applique. Donc les lots, ceux qui va simbi en côté, nous attendrons l'invalidation de M. Antoine. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est en pré-campagne. Merci beaucoup. Un président qui promet alors qu'il y a un budget adopté. Ah oui, non, on peut se dire ça là. La cote par budget naïe. Ils ont 0,2% alloué. Merci beaucoup, Ndeko Jonathan Ngwele. Ndeko Cédric, tout le temps, on va bien s'ajouter pour Jean-Malouba. Nous allons à une disparition de l'État par Deli Kessence. Bonjour, monsieur Maxime. Notre État est perdu, ses éléments constitutifs, et notamment les éléments régaliens. Bref, la problématique, c'est la crise chronique de la légitimité. Pourtant, cette crise engendre la crise économique. Ndeko Jonathan Ngwele, René Bonganga, remaniement. Et qu'aussi sa crise politique T, population, Aza, d'accord, Nabino. Maître Cédric. Bon, je pense que Nanga Kina Nazon un peu sur la question de. Sur la question, il y a patriotisme, parce qu'on des Kualobi, il faut d'abord que l'on sache qu'est-ce que la nation va donner en retour. L'exemple, nan, on appelle ça qui a liboso, ce sont des gens qui ont bénéficié de la nation. Cela veut dire, bien zaïrianisé. Qu'est-ce qu'ils en ont fait en retour pour la nation? Rien du tout. Et c'est comme ça que je disais que la meilleure des choses qu'on peut donner, c'est rendre honneur. C'est rendre honneur et hommage en faisant de vous quelqu'un. Je donne un petit exemple. Vous savez, ce qui m'a motivé, moi, de vivre ma vie, j'ai perdu mes parents, j'étais un petit enfant. Lelo Oyo, je peux dire que je ne connais ni la tombe de mon père ou de ma mère. Mais ce qui m'a motivé de pouvoir étudier,
et devenir quelqu'un demain, c'est pour leur rendre honneur. Cela veut dire qu'aujourd'hui, quand les gens me regardent, ils rendent hommage à ces gens-là en me voyant, en voyant ce que je suis devenu. Et c'est ça ce que le Congolais doit faire. Ils doivent se donner de manière à ce que lorsque les gens regardent le Congo, ils regardent le Congolais, ils disent « Voilà, les martyrs ne sont pas morts pour rien. » C'est ce que nous devrions faire. On ne doit pas attendre que Ozu Mbongo apprenne au lobby que Nassale la Congo. Non, ce n'est pas ça le patriotisme. Parce que ceux qui sont morts n'ont pas attendu Bazoua quelque chose du Congo pour mourir pour le Congo. En fait, sur la tournée du chef de l'État, je suis vraiment très ravi que Assa la tournée Oyo. Mais ce que moi j'attends à son retour, c'est que les gens soient suspendus. Que les gens soient rapidement remaniement coututé. Parce que les remaniements, il y a beaucoup d'histoires qui entrent en compte. D'abord, quand il revient, que d'abord toutes les personnes qui étaient envoyées, qui étaient sur le champ pour suivre ces travaux-là, tous d'abord soient suspendus. Et qu'on mette une inspection et de l'IGF et de la justice pour pouvoir savoir pourquoi est-ce que Makamweza Bongo. Parce que ce qui tue, c'est cette inaction-là dans la sanction. Merci beaucoup. Et j'insiste. L'inaction dans la sanction, Ezotinda Batouba continue na mabé. De ko Zoro Babel Moulang, vacances na yokola. Congo, lelo batnyo se baza ko bali kambia. Lokota misini. Oh. Lokota misini médicament. Eza médicament moko oyo ce qui ba betu yango dose ali bosu ami balé okangami olali kimia. Il faut que tu aies une pharmacie. Le lingue fonctionnement est un peu comme ça. Mokonzi, ce n'est pas la personne physique du chef de l'État. Mokonzi, c'est toutes les institutions. Les chefs pro l'escorte, n'a pas cet exemple. L'escorte présidentielle. Oye Tambolaka, na ville. Pour la bambouteillage. À se permettre que n'est dans le village. Et Sony et Kangami na potopoto. Ça veut dire que il n'y a pas des agents de sécurité qui font leur travail. Comment on appelle aux États-Unis escorte, il y a président au baquet à déplacer. Je suis en train de dire c'est pareil Banda batata na biso nyoso. C'est pas du nouveau. S'il vous plaît. Je suis un enfant du pouvoir. Na yebi. Et quand nous voyons tout ce qui se passe, le chef ne peut pas faire un pas sans que la sécurité lui rassure. Kokende naye, je crois que si ce que je dis était fait, on doit commencer par le service de sécurité. Finalement, le chef ne peut pas être intétu. Le chef doit savoir écouter ses collaborateurs. Et le quoi les bossons. Donc, le Koutamissine est comme vous avez place dans Mboka parce que finalement, le service de sécurité ne fait pas son travail. Le chef a besoin, il y a quoi battre que il faut qu'on ait un voyage, il y a prospection, il y a des lobby. Non. Le chef doit avoir tous les jours le rapport, ce que le service de sécurité était, et le gouverneur, il y a ressort. Voilà. Attendez, il y a un gouverneur qui a confirmé. Il a une obligation de descendre. Mais quand même, il faut saluer tourner naïe. To saluer tourner naïe, ce qui 120 voyages à cela qui n'a poto, c'est ce qu'il aurait dû commencer par faire à l'interne. Là, nous le saluons. Mais je vais ajouter quelque chose. Vous savez, Bande Konanga a insisté sur un problème ici de patriotisme. Le patriotisme est une question de mentalité. C'est la
il n'y a pas autre mot plus que la mentalité. Sans une présidence, Yachilombo Mobimba, ce sont des diasporas. Babotama, Bamsukuna, Bamsu Bakolakuna. Ils ne sont des Congolais que des papiers. Ils n'ont pas la mentalité congolaise. Mais bien le Congo yawate. Et comment voulez-vous que Mbokezala conduit. Ok, d'accord, nous avons la statistique. Kuna, Oboni était. Presque à la fin de cette émission, fidèle téléspectateur à Canal Congo Télévision, pays auditeur et à Radio Liberté Kinshasa, tout un message. Mes félicitations à Ndeko Jonathan, il est intelligent. Ndeko journaliste IGF met en cause l'indépendance de la justice. Ndeko, vous avez 30 secondes pour na moi clôture na bino, Pedro Kabwana bino wana. Kole kisate, koba kisate. Ndeko René Bongana. Merci de répondre de quoi à Koumakiwana. Presque, la évité à Zolanda, débat n'est ni porte aux Zoloba sur le voyage à chef de l'État, n'a pas conséquence en Ango, mais nous, lui, nous parle de la crise politique. Donc, il est vraiment outside, c'est pas ça notre CISE. Il fallait à Rekadenga ou Belo Belanga sur CISE au Toza Koloba. Naseki, Makamboloubi, n'a pasteur, il a fait pasteur, hein. C'est comme si j'ai pu me comprimer un acteur moi le baki le coup de missile il y a un problème la majorité va poser ça. Tu es jaloux. Voilà. Donc, les amis, bon, les Congolais, ils ont droit à Yéba. Pourquoi? Tu vas aller, bon, tu vas aller, misalate, banani, balé, bon, wana. Et puis, justice, elle en a bango. Merci beaucoup, Ndeko René Bonganga, Ndeko Jonathan Ngwele, Malubezali Nangamunayo, tout un message à Ndeko Joël depuis Paris, Oazali Kolandabiso. Nous remarquons que le président Nano Akei Kotala, ma maison préfabriquée. Est-ce que Azali ko qui m'a sujet Ango Tonine Joël depuis Paris. Ndeko Jonathan. Ndeko Maxime avant en bourse à Ndeko Simon Keta depuis Mujimai à combien de ma vie Ndeko Jonathan. Ngai vie dans mon Alexandre na Kasai. Mais na Kasai en fait. Na yina yo kan de Antoine a bandité ici, il a parlé en langue et sans interprète. Donc, discours n'a qui destiné à Batumoko. Ngaï n'a mis figurant. Vous imaginez ça un peu? Pourtant, au Kassai, il n'y a pas que sa tribu, ou il n'y a pas que sa province. Donc, Batunion sonne Bazawana. Et ça n'est pas si. Je m'y balé. Si on est patriote, on ne se rebelle pas contre sa république. C'est la même prouve parce que vous avez à l'attachement de la défendre. Deuxièmement, moi, le roi Swaziland, moi, non, pas de temps, je suis dites-moi, cet enfant-là va se rebeller un jour contre Swaziland. Il est né à Skouti Mabélé. À combien de trois ans, la République t'avait offert ça le jour de ta naissance. Vous imaginez un peu. Donc, c'est pourquoi je dis on devient patriote. Parce que moi, non, non, bah, non. Ces pays. Pour qui j'ai rien donné, m'a plutôt donné. Qu'est-ce que je fais? J'ai la défense. Merci donc, beaucoup. Donc, les lots, pour la bisso intérêt à Congo, ils ont comme moi en athée dans Boukambia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Maître Cédric. En fait, je. Nangina Banda, vraiment, par rapport à l'histoire de Kola à Lobby, je suis vraiment un peu choqué. Vous savez, moi, je suis à Moïse Katumbi, Tangazarana Lubumbashi, à Lobarana Lingala. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ndeko, arrêtons ces discours tribalistes. Ça renvoie au tribalisme, Ndeko. Ça ne peut pas sortir de vous. Lorsqu'on va dans un endroit et que la majorité de cette population-là parle une langue, on parle à la langue de cette population-là pour que majorité wanabayoka. Mon frère, ce n'est pas un débat. Quittons ces calcans-là. Il est allé
où une majorité parle en Tchiluba, il a parlé en Tchiluba pour que on est tous congolais. Lorsqu'il est allé à l'est du pays, il a parlé en lingala et on a interprété, ou en français on a interprété. Parce que lui, mon frère, on a interprété parce que la langue que lui parlait, ceux qui étaient là, la majorité n'écoutait pas. Arrêtons des débats tribales. C'est pas, ça nous honore pas. Ça nous honore pas. Merci beaucoup, Ndeko Zorobabel. C'est un débat tribal. Merci beaucoup, Ndeko Zorobabel. 30 secondes. 30 secondes, non. Je vais. Oyebi toi Boulasika, na sepela kiler ndeko tulomba lobi na mbujimai que bobo sanate tozali mboka ozana ba prophétie biblique et ndenge ndeko René a otkolba tout à l'heure nazali solo moko ya accomplissement ba prophétie biblique pour na RDC pe pour na Afrique au besoin pour na monde. Je crois que c'est à ce titre que na kosenga Yahweh a benisa batu nyoso et abate la biso Yahweh a sala oto benga na français fasse luire sa face sur tout le monde et apesa biso grâce. Yahweh a balole longene pa na biso pe apesa biso paix. Nzambe a batte la biso, c'est sur ses propos, hein. Nzambe a batte la biso nyoso, pour na mboka la biso qui est liboso, izwa développement. On est vraiment trahi par les temps. Naibi, que vous aviez belé. Bon, pour ça, la paix, ça les sous, maloba, ndeko René, Bonganga, ndeko Christian, ndeko Jonathan, Zorobabel. Mais on est trahi par les temps. L'émission est terminée, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs à Canal Congo Télévision, pays radio Liberté Kinshasa. Une émission réalisée par Jerry Mboka, Bruno Ntinga était du côté de la régie, Romain Makonda na web, Junior Kassanda à la radio, Dadi Kousaka et Karine Bebe. Basaya qui s'est mis à la caméra pour nous présenter une image à Kitoko, Tokote Nabino, si Dieu le veut. Lobby na radio, Jamidar Ozanabino, la télévision. Botska di Balam.